Bah, les boules, elles sont pas chiantes en fait, c'est juste que tu peux plus utiliser ton épée pendant un certain temps en fait. Quand tu t'es touché, tu perds pas de cœur, donc c'est pas plus chiant qu'autre chose. Ah bah ils en donnent de la bombe! Ils veulent transformer Nick en terroriste ou quoi? Quoi que dans Breath of the Wild, j'avoue que... Bon, j'ai déjà fait la salle là... je vais à droite ou je vais où? Toujours pas la map en fait. Ah bah voilà! Alors beaucoup de choses gourons, vous voyez la forme? Non, c'est pas une croix nazie, c'est une croix... C'est une croix religieuse qui existe dans certaines religions d'Orient. Là, et justement, notre cher ami Claire s'est servi de ce signe pour le tourner pour en faire sa putain de croix gammée. De merde. Donc les gars, quand vous n'avez pas de culture, arrêtez d'insulter des trucs alors qu'ils n'ont pas à être insultés. Au passage. Hein, beaucoup de gens ont plus tard découvert ce jeu et quand ils ont vu le design de la map, ouais, gna 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 gna, apologie, gna gna gna, Hitler, nan nan. Non, non, c'est juste que vous n'avez pas de culture, les gars, en fait. C'est juste ça, en fait. Vous n'avez pas de culture. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Alors, il y a forcément un bloc qui se pose. Il y avait forcément un bloc qui se poussait. Hein. As-tu pris l'épée chez le vieil homme en haut de la cascade? Oui, je l'ai pris. C'était juste pour une vieille clé. Bon, bah, t'as le mec qui te donne l'indice pour aller chercher l'épée. J'ai plus que j'avais ce mec. Non, ce qui est bien, c'est que les clés, en fait, tu les gardes d'un donjon à l'autre, celles que tu n'utilises pas. Oui, ta gueule. Oui, ta gueule. Oui, ta gueule. Oui, laisse-moi passer, putain. Tu peux pas parler tout en même temps que je me casse? Non. C'est trop compliqué. C'est... Non, non, c'est trop compliqué. C'est quoi le prochain boss? Je sais plus à quoi il ressemble le boss. Ah, je crois que c'est la grosse plante. Oui. Ah oui, quand ça spawn comme ça sur le sol, bah... Faut le prendre toi-même. Oui, oui, c'est de la plante de merde. Y'a moyen pour la one-shot. Si t'arrives à placer une bombe correctement, elle tue la one-shot. En fait, mon but du jeu, là, c'est juste toucher chacune de ces plantes une fois. Et maintenant, c'est réussir à... Voilà. Et si t'y arrives bien, ça m'est déjà arrivé... J'avais plus de cœur, je voulais pas m'en approcher. Tu places une bombe au bon endroit et tu one-shot ces 4 pétales. Je vous le dis, mais ça demande un coup de bol énorme. Ça demande un coup de bol énorme, étant donné que sa trajectoire est au moment où tu poses la bombe, au moment où elle va exploser, au moment où va se trouver la plante. En général, soit t'arrives à en toucher 2, soit t'en touches 3, et ben après, si t'as plus de cœur, bah, tu l'as un peu dans le cul, étant donné qu'elle sera super rapide. Car à chaque fois que t'en détruis un, vous avez vu qu'il a commencé à accélérer. Bon, allons au donjon 4. Je vais récupérer le bic qui traîne. Les rubis sont tes amis. Ah bah merde. Je cherchais le panton, bah il était de l'autre côté. Bon, ça fait à peu près 10 minutes par donjon. Après, je me suis beaucoup paumé. Chercher l'épée de niveau 2. C'est pour ça que je prends toutes les clés, parce que dans Zelda, c'est que les clés, elles se stackent, en fait.
Tu peux laisser pour résoudre le donjon. Ça peut être pratique. Là, pour tuer les mecs là, faut l'épée de niveau 3. Pour qu'ils te laissent un drop. Sinon, ils vont tout le temps séparer en deux mobs. C'est très chiant. Ah oui, putain, j'ai pas les... Je n'ai pas de bougie encore. Oui, mais je vois pas la configuration de la salle, en fait, les gars. Je vois pas la configuration de la salle, en fait. Et j'invente au pif, en fait, dans la salle. C'est vraiment le pif, hein. Ah putain, c'est déjà le commencement des salons noirs. Ah oui. Non, mais ils sont revenus, sérieusement. Non, je m'acharne à les tuer. Une fois que j'ai tué une fois, ça se prend de les retuer une nouvelle fois. Pourquoi je les tue alors que je sais qu'ils vont rien me dropper? Parce que j'ai pas envie de prendre des dégâts inutiles. Ah putain, j'ai pas de bougie. Je pense savoir comment aller designer la salle. Enfin, j'ai tué, on sait jamais si ça drop une clé ou autre chose. Ah voilà, des mobs moins chiants. Oui, je suis dans le noir complet, mais... Là, je sais comment est configurée la salle. Comment je sais comment est configurée, c'est très simple. Les ennemis viennent pas vers moi, parce qu'en fait là, il y a de la lave. Ou de l'eau flotte. Je sais plus lequel des deux. Donc il peut pas traverser, pour ça il me faut l'échelle. Et l'échelle, bah je la trouve ici. Ah, de la lumière, ça y est, je vois dans l'obscurité. Oui, on va éviter de tous les tuer, on va quand même un peu éliminer les chauves-souris. Non, on va déjà à droite, on verra plus tard la salle à la clé. Ah là, maintenant ton pire ennemi quand t'as un bouclier. Quand t'as un bouclier magique, ces mecs-là, bah, ils peuvent te le bouffer. C'est pas comme dans Carnival Time, quand tu tues le like-like, tu le récupères. Non, 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 là, c'est va te faire foutre, mec. C'est juste va te faire foutre. Ton bouclier, tu te le fais bouffer, bah, t'en rachètes un. Plus dans le jeu, c'est hardcore de se faire des rubis. J'ai eu de la chance d'avoir assez tôt la batte bleue. J'ai vu, bah, j'ai 250 rubis, bah, je vais la l'acheter direct, hein. Après, j'irai m'acheter une bougie. Ah, je sais que j'ai pas besoin de vous tuer, les gars. Ah, je vous zappe. Je vous zappe, les gars. Là, nous devons la salle pute. En fait, ça, c'est un cul-de-sac et je peux pas atteindre la 4 par là parce qu'en fait, c'est juste un carré où j'étais et le reste, bah, est entouré de lave. Plus full vie. J'ai le droit d'avoir un peu de lumière. Et moi, je les avais fait bugger les chauves-souris là. Elles n'avaient pas bougé d'un millimètre. On va quand même aller chercher la map, hein. Toujours utile. Pour deviner où il y a des endroits secrets à faire exploser à coup de bombe. Ah là, c'est clairement le lieu où tu peux faire péter avec une bombe. Je crois que c'est plein de rubis ici.
Ouais, plein de rubis. Non, vous êtes sérieux là, vous me refoutez ce truc de merde? Obligé de perdre tellement de cœur là-dessus. Ah, il faut que je pense à m'acheter les flèches. Marche dans la cascade. Et tu le dis, vieux rabouri. Allez. Oh putain, je me suis fait ken. C'est quoi le donjon? C'est quoi le boss de donjon? Ça c'était bâtard. À mon avis, je vais en chier pour le prochain boss. C'est celui auquel je pense, et donc faut aller au corps à corps à l'épée alors que lui il défonce à distance. Et j'ai pas le bouclier magique. Ah, c'est celui-là. Bon, ça, j'ai quand même gardé un minimum d'esquive sur ce jeu. Hein. Je vois, je. Toujours pas fait un seul game over. Mais au cas où que ça plante, là j'ai quand même fait une petite estate. Hein. C'est... c'est juste au cas où que ça plante, on sait jamais. Ça fait quand même 41 minutes de jeu perdu, ça me ferait un peu chier. Bon, maintenant on va explorer un peu la map pour se faire des réceptacles de cœur. Bon, déjà, on va aller acheter une bougie. Parce que je sais qu'il y a un réceptacle de cœur planqué sous une bougie. Du moins sous un arbre. Bon, bouclier magique, on verra plus tard. Hein. Pas l'item que je recherche pour l'instant. Aussi il y a un truc, je crois que c'est un mec qui me demande de repayer sa porte, donc je vais pas le faire ici normalement, ici là, voilà. Mais lui je crois qu'il demande repaye moi ma porte, donc on va pas le faire car j'ai pas beaucoup de rubis. Putain, je me souviens parfaitement de c'est quel truc. Oula, j'aime bien quand même avoir fonctionné bien. Donc je vais me balader par en bas. Tenez que c'est en bas que ça m'intéresse. On va garder la bougie. J'aime bien le coup de la mime à faire reculer, ça m'a fait toucher l'autre ennemi plus loin. Alors, si je me souviens bien, normalement ici il y a un vendeur. Et c'est un vendeur de potions. Voilà. C'est-à-dire comme ça, quand tu meurs, tu crèves, tu recommences ici, hop, direct, tu peux t'acheter une potion. Ce qui est pratique. Bon, là, j'ai plus besoin, parce que je me souviens plus d'autres endroits, à part le donjon 8 où j'ai besoin de ça.
Or ici, il y a une grotte. Eh merde. Rip la bombe. Didi, là, je farme les cœurs, là, en fait. Plein de cœurs. Et en même temps, je ferme les rubis. Toi, tu vends quoi? Ah! Bouclier 130. Ouais, non. 130, non. Tellement cher pour l'instant, mais je sais qu'il y a un mec qui vend ça à 90. Je sais plus où, mais je sais qu'il y a un mec qui vend ça à 90. Je sais qu'il y a un mec qui vend les boucliers à 90, je sais plus où. Certes. Je fais 4 donjons. 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai obtenu tous les cœurs que je peux obtenir à l'extérieur. J'en ai oublié aucun. 4 donjons. Bien ça. 4 morceaux. Il reste 4 donjons encore. Donc 4 cœurs, voilà. J'ai plus de cœurs à trouver à l'extérieur. Voilà. Ça sert plus à rien que je tourne en rond comme un con sur la map. Je peux juste aller farmer direct les donjons. J'ai d'autres trucs à récupérer quand même. Je vais aller chercher le bracelet de force pour me créer des raccourcis. Je vais essayer de voir si je peux pas récupérer la 3ème P. Je sais plus si c'est un quota de morceaux de triforce qu'il faut ou si c'est un quota de cœur qu'il faut. Je sais plus si il faut 6 morceaux de triforce ou 12 cœurs. Je sais plus ça. Donc je vais aller vérifier ma théorie. Voilà, j'ai récupéré tous les cœurs que je pourrais trouver à l'extérieur. Donc c'est bon. Là, on est à l'entrée du donjon 5. À te dire, vu que je passe à côté, autant le faire. Non. Vu que je sois à côté du donjon 5, bah autant le faire pendant que je suis là. Hein. Ça me coûte rien. Voilà. Ah putain. Futur et un ennemi. Donc c'est quoi le bouton pour les save states? Je fais juste des save states au cas où. Ah, ils sont chiants à buter eux. Sont super résistants. Ah oh, cool l'horloge. Voilà, maintenant on peut plus bouger toi. Thank you.
dont Giger est un certain genre de son. Ouais, je sais, il aime pas les sons ultra forts. Bon, je pense à m'acheter la flèche pour Goma, quand même que je puisse le tuer. Bon, est-ce que je me fais chier à les tuer? Enfin, viens vers moi! Viens vers moi, le dongongo de merde! Viens vers moi! Et si t'arrives à les fumer, bah, tu peux les tuer à l'épée. Ah, de bon, soit tu... Si la bombe rate et qu'elle explose à leur portée, bah... Tu peux, littéralement, l'exploser à l'épée. Ah, le con. Je déteste me gourer de boutons. Il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est... Ah non! C'est pas comme dans Minish Cap. Non, mais parce que dans Minish Cap, je sais, quand tu fais cramer une momie, ça se transforme en Stalfos. Ce qui est complètement logique, dans un sens. C'est mon bloc qui se pousse. À moins que la map... Ouais, d'accord, j'ai trouvé par où il fallait que je passe. Ah bah oui, j'arrivais pas à pousser, donc forcément, j'ai une connerie dans le genre là. Bon, je suis déjà allé à droite. Putain. Arrête de te gourer de boutons, abruti. De toute façon, le jeu est pas trop méchant. Waouh, ça casse tellement la game ça. Les momies sont les mobs à plus gros taux de drop de bombes. Ainsi que les dongongo. Mais bon, pour les dongongo, il faut utiliser deux bombes minimum. Et pas rentable. Tu vas voir la map? Ah tiens, bah quand on la demande. Ah d'accord, pour voir la map, faut que je fasse tout le temps. Là, j'ai dit, bah tiens, ah bah quand on parle de la map, eh ben on l'a. Ah, c'est utile pour repérer les petits passages secrets à la con. Ah là, je sais à quoi ça ressemble. À une tête de tortue. Ou à une tête de lézard. Ça ressemble à une tête en fait. Simplement. Semble une tête. Ah, j'oublie une salle en bas à gauche. Oh, attendez, attendez. Il y a une salle en bas à gauche. Il y a une salle, hein. Il y a une salle. Oh, ils ont respawn. Enfin, je vous tuerai plus tard, hein. J'ai besoin de me refaire des bombes. Bingo! Ouais, c'est pour ça que je veux toujours avoir la map. Oh putain, les Dark Nuts bleus! Ton pire cauchemar! Non, sérieusement, c'est ton pire cauchemar. Ah oui, alors là, normalement, je crois que dans ce donjon, t'as une upgrade pour les bombes. Bah, la question, est-ce que je vais prendre l'upgrade pour les bombes ou pas? C'est le truc en fait.
Il y a deux upgrades dans le jeu de bombe. Ça coûte 100 rubis à chaque fois. Calmos, les Dark Knights. Ouais, c'est pas trop dur de les tuer. Quand tu joues avec les décors pour pouvoir les toucher sans te faire toucher, et tu sais qu'ils vont passer d'une certaine manière à un moment ou à un autre pour pouvoir passer. Sachez que votre épée peut toucher si vous êtes en bas d'un bloc et l'ennemi est en haut. Pour vous servir pour carry les Dark Knight. Allez, mais reculez, arrête de bouger, merci. Bon, est-ce que je prends le greffe de bombe? Ouais, on prend. 12 bombes, très utile. Je sais pas si je prendrai le deuxième upgrade, par contre. Ouais, t'as un upgrade, t'as un deuxième. Tu peux avoir jusqu'à 16 bombes dans le jeu. Je sais pas si je vais le prendre, par contre. Wow. Arrêtez tous vos réunions au même endroit. J'ai pas demandé un gangbang. S'il vous plaît, calmez-vous, les... calmez-vous, messieurs. Je mange pas de ce pain-là. Non. Attends, pourquoi il se retourne toujours? Ah, et merde. Bon, maintenant, je suis obligé d'aller au contact. J'ai plus tous mes cœurs. Ah, et merde. Vous imaginez que si j'avais pas bug bleu, il me ferait deux de dommages. Deux de dommages, il me ferait. Là, ils me font qu'un. Pour ça, la bug bleu, c'est un item que j'adore récupérer assez rapidement hein, dans le jeu. Parce que quand t'as genre d'enculé qui te font deux de dommages, en mode YOLO, je te fais deux cœurs. Sans faire affronter un viande. Hein. Ça fait peut-être 4 de dommages, mais au moins, tu survis. D'ailleurs, t'es obligé de tous les tuer parce que ça, sans ça, tu peux pas affronter le boss de donjon. Parce qu'en fait, le boss du donjon, c'est une grosse bouboule qui aime pas le son. Donc, pas le thème qui permet de produire le son dans le jeu. C'est cette putain de flûte. Et donc, si tu l'as pas, bah en fait, tu peux pas atteindre son noyau parce qu'en fait, elle fait un genre de mode défense qui fait une grosse bouboule qui couvre son noyau. Et seulement de faire disparaître cette bouboule, bah, c'est du jeu de la flûte. Flûte alors! Pourquoi vous dropez pas de trucs vous, hein? Allez, je la prends l'upgrade de bombe. J'ai assez de fric. Allez, je la prends. Je parie que tu voudrais plus de bombes. Oh oui. Voilà. Ça fait mal à mes bourses, mais bon. Faut bien se sacrifier quand même. Faut avoir plus de staff. Voilà. Vous voyez, grâce à ça, j'ai découvert l'endroit et je savais que bah, il y avait un truc à faire là-bas. Dans ça, bah, j'aurais loupé l'upgrade de bombe plus l'item du donjon et j'aurais pu aller me pointer au boss. Bah, merde, pourquoi je peux pas l'affronter? Bon, ça me serait pas arrivé parce que dans tous les cas, je savais que si j'avais pas découvert l'item, je serais pas allé devant le boss. Mais. Or, vous, si je peux éviter de vous affronter, j'évite. Si vous me laissez passer aussi, ça serait bien. J'aimerais bien prendre la porte et reculer. Non, t'aurais pas pu continuer tout droit. Non, fallait forcément que tu tournes à ce moment donné. Précis. Eux, je l'affronte. Ils sont pas chiants. Oui, mais non, en fait, c'est pas des bombes que je veux, c'est des cœurs. Pas bouger. Mais reviens là! Mais reviens! Vous êtes censé me foncer dessus, vous êtes des ennemis, arrêtez de vous comporter aléatoirement. Pour Redactor, je veux bien, parce que ça est rendu rabuté, mais vous, foncez juste moi dessus comme des abrutis. Putain, faites comme dans LOL. Oh, ces putains de jungler, de maître Yi, qui